Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Voilà le son de mardi. Investiguez. Lisons Jean 13, verset 34, 1 Pierre 2, les versets 21 à 25, Colossiens 1, les versets 28 et 29, et Matthieu 4, les versets 18 à 22. Jean 13, verset 34, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. 1 Pierre 2, les versets 21 à 25, et c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez cette race. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions par la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Colossiens 1, les versets 28 et 29. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Matthieu 4, verset 18 à 22. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui était dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparait leurs filets. Il les appela et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Remue-ménage, quelle relation ces versets ont-ils avec le passage principal? Quels autres versets ou promesses vous viennent à l'esprit en rapport avec l'objectif du disciple? Au revoir! Et à demain si Dieu veut! Remue-ménage.